Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dark260 pour une nouvelle vidéo Stalker 2 avec une nouvelle fois comment récupérer facilement deux armes. Donc au cours de vos balades et au cours de vos missions, à un moment donné, donc vous allez avoir fini dans la première zone les missions et vous allez pouvoir ainsi passer par le point de contrôle nord. Lorsque vous le faites, vous allez devoir passer un pont détruit et une fois que vous arrivez de l'autre côté, vous allez entendre un appel à l'aide. En allant donc vers cet appel à l'aide, vous allez tomber sur un groupe de trois stalkers, dirons-nous, trois bandits qui s'attaquent à un quatrième qui est blessé. Vous allez avoir là aussi différents choix. Si vous décidez de zigouiller ces trois malfrats et de sauver le stalker, vous allez d'une part récupérer une planque, mais surtout d'autre part, vous allez pouvoir récupérer deux armes qu'on va voir tout de suite. La première arme donc que vous allez récupérer, il s'agit du GP 37 qui est dans un état donc endommagé mais pas trop détruit. Qui est déjà également modifié, donc une arme qui est franchement pas mal, hein, comme vous pouvez voir par rapport au AR-416, il est même légèrement mieux, surtout au niveau de la pénétration, de la portée et de la précision. Il faudra voir quand elles sont complètement modifiées. Et la deuxième, c'est le M10 Gordon. C'est un pistolet mitrailleur type Uzi qui apparemment donc peut remplacer le pistolet de base que l'on a. Ben voilà, cette vidéo touche tout doucement sa fin. Merci de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser un commentaire. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce, d'activer les notifications pour ne rien rater de la chaîne. Voilà, au revoir, merci et à bientôt.